Salut à tous les potes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais vous montrer les 5 meilleures voitures de GTA Online à acheter lors de l'événement festif surprise 2022 du 22 au 28 décembre. C'est parti. En 5ème position, la Pegasi Infernus Classic. La Pegasi Infernus Classic est une voiture de sport classique civile à deux places qui fait partie de GTA Online depuis la sortie de la mise à jour Cunning Stunt, spécial véhicule circuit. Son design semble s'inspirer de la vraie Lamborghini Diablo. Côté performance, l'Infernus Classic fonctionne sur un gros moteur V12 combiné à une boîte de vitesse à 6 rapports dans une configuration RWD. Sa conception aérodynamique est performante, rendant le véhicule agile. Le véhicule a également une accélération décente. Les joueurs peuvent trouver cette automobile à un prix réduit de 30% de 645 500 $ au Legendary Motorsport. En quatrième position, la D-Class Grandeur 3600 LX. La prochaine sur la liste n'est autre que la D-Class Grandeur 3600 LX. Il s'agit d'un SUV civil pleine grandeur à 8 places publié dans le cadre de la mise à jour Le Contrat. Il ressemble beaucoup à un vrai Chevrolet Suburban de 11e génération. Le Grandeur 3600 LX fonctionne sur un moteur V8 à simple cam, couplé à une boîte de vitesse à 4 vitesses dans une configuration 4x4 stable. Bien qu'elle n'ait qu'une vitesse et une accélération acceptable, la voiture a plus de facilité à percuter d'autres véhicules grâce à son poids élevé. Il est disponible à un prix réduit de 30% de 966 000 $ à 724 500 $ au Southern San Andreas Super Auto. En troisième position, la Pegasi Toro. La Pegasi Toro est un SUV multisegment de luxe civil à 4 places qui existe depuis la mise à jour Arena War. Il ressemble au Lamborghini Urus 2018 et à l'Audi Q8 2018. La voiture fonctionne sur un moteur V12 connecté à une boîte de vitesse à 8 rapports dans une configuration AWD. Le véhicule a une bonne accélération, ce qui l'aide à atteindre une vitesse de pointe décente, malgré sa faible motricité. Il se comporte bien comme on peut s'y attendre d'un SUV. Les joueurs peuvent obtenir le véhicule puissant à un prix réduit de 30% de 348 000 $ auprès de Legendary Motorsport. En deuxième position, on a la Obey Tigater S. Présentée dans GTA Online depuis la sortie de la mise à jour Tuner, l'Obey Tigater S est une berline sportive civile à 4 places dont le design semble s'inspirer de la vraie berline Audi RS3 2017-2020. La voiture fonctionne avec un moteur V8 accouplé à une boîte de vitesse à 6 rapports dans une transmission à moteur avant et roue arrière. Il offre une traction superbe ainsi qu'une maniabilité et une vitesse de pointe décente. Le véhicule offre également une bonne résistance aux collisions, ce qui en fait un choix viable pour le transport. Le Tigater S est disponible à un prix réduit de 30% de 1 046 000 $ à 784 875 $ au Legendary Motorsport. Et enfin, en première place, la D-Class Drift Tampa. La D-Class Drift Tampa est une version spéciale à 2 places et à corps large de la Tampa originale introduite dans le jeu dans le cadre de la mise à jour Cunning Stunt. Son design principal semble s'inspirer de la vraie Ford Mustang 1964-1973. Côté performance, la Drift Tampa fonctionne sur un moteur V8 couplé à une boîte de vitesse à 4 rapports dans une configuration à traction intégrale. C'est l'une des meilleures voitures à la dérive du jeu, permettant aux joueurs de faire des beignets avec. Les joueurs peuvent récupérer le véhicule à un prix réduit de 30% de 696 500 $ auprès de Southern San Andreas Super Auto. Comme l'événement de neige ne se déroule jusqu'au 28 décembre, les joueurs de GTA doivent obtenir une ou plusieurs des voitures présentées tant qu'elles sont encore proposées. Voilà les potes, j'espère que cet épisode vous aura aidé. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez voir. Passez une excellente journée. Salut.